Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sands of Salzar. On se retrouve avec notre petite équipe et on était parti chercher un dernier paysan du côté de Fleur. On avait pris cette quête un petit peu à l'arrache, mais comme ça sera fait. Des petits fermiers là, ça fera un petit peu d'XP cadeau et un peu de loot cadeau pour nos petits machins qui doivent se refaire. Ah, en plus on a une White Rose Potion, c'est parfait, on va pouvoir soigner des gens. On va immédiatement aller voir ça. Alors, qui c'est qui est dans le mal? Eux ils sont dans le mal, et niveau promote, ils auraient le niveau pour, il nous manque juste du fer. On a combien? On est à 43, il nous manque 2, putain, super. Eux, ils ont bien diminué et ils sont pas prêts de monter. On va upgrader eux. On va soigner eux. De toute façon, ça soigne que d'un, hein. C'est pas non plus la teuf. Il y a un truc ici. Allez, c'est parti. On va explorer. On approche les bandits. En avant. Ah, ils ont des chevaux. Boum. Ouais, c'est des mercenaries armés de crossbowmen, hein, avec un petit peu de soin, parfait. Oula, je suis transformé en ours juste au mauvais moment. Putain, il trace. Ok, pas mal. On a trouvé un orbe des arcanes. Très bien. Et du coup, on a notre petite Ironstone qui nous manquait pour upgrader. C'était E, je crois. C'est ça. Alors, en fait, oui, je m'étais même gouré. On peut les upgrader en ça, en Skirmisher. Du coup, là, c'est des Warriors. Ils ont 3000 de vie. On les upgrade en Skirmisher. Ils ont toujours 3000 de vie. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Physical attaque, ça change rien. Stamina, c'est la même. Vitesse de mouvement, c'est la même. En fait, ils restent exactement identiques, on dirait. Bon bah, c'est juste une petite amélioration comme ça. Toujours ça de prix. Alors, est-ce que le truc bleu, non, c'est pas les mecs qu'on cherche. Alors, si on dézoome, est-ce qu'on les voit? Non, on les voit pas. Donc on a eu du bol, les deux premiers avaient popé juste à côté. On va aller fouiller la zone noire. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a des fantômes et c'est un groupe de 4. Du coup, on va pas y aller. Ici, il y a des bandits. Très bien. Où sont nos amis fermiers? C'est sympa ces espèces de maisons bizarres là. Va falloir qu'on fasse aussi la quête principale peut-être à un moment. Même si visiblement on est totalement libre de pas la faire. Hein. Ce qui est plutôt appréciable hein, d'ailleurs, je trouve dans ce genre de jeu de pouvoir se dire la quête rien à foutre. On joue ça comme on souhaite. Allez, on va éliminer très vite leur première ligne. Voilà, c'est fait. Ensuite, la deuxième ligne, c'est géré. On gagne un petit peu de fer, c'est nickel. Un peu plus de prestige. Alors, vous m'avez demandé dans les commentaires, ça servait à quoi le prestige? Normalement, le prestige est censé. Ok, c'était quoi les messages là? J'ai entendu que personne n'était intéressé par les fleurs. Ok, c'est des petits trucs qui nous donnent des indices sur ce qu'on pourrait vendre éventuellement, pourquoi pas. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui m'ont demandé.
À quoi servait le prestige? Le prestige sert globalement à avoir des meilleures quêtes, à être mieux aimé, etc. Des gens. Putain, on a des mecs qui balancent des sorts là. Ah, nos barres ont pris des niveaux. On va aller voir si on pourrait pas les monter. Non, ils sont encore trop bas. Encore un niveau. Eux, on pourrait peut-être les promote. Ça coûte trop cher. Eux, on pourrait peut-être les promote. On a 10 jades, mais on n'a pas assez. On les transformait en prêtresses. Transformerait en prêtresses. J'y arrivais. Donc, ils gagnent un nouveau sort. La frenzy parasite d'Acne. D'accord. Donc quand ils meurent. Alors je sais pas si c'est un sort qu'ils lancent sur les autres ou si c'est un sort qu'ils ont eux en passif. En gros, quand ils meurent, il y a un scorpion toxique qui sort du corps pour continuer de se battre. On est sur un truc bien sympathique, quoi. Alors ici, est-ce qu'on peut recruter des trucs? Des fermiers, ça ne nous intéresse pas, on a un talent. On pourrait augmenter encore ça et aller chercher l'élite suivant au prochain coup, ça me paraît pas mal. Donc nos fermiers n'étaient absolument pas là du coup. Il va falloir qu'on continue de fouiller. Ah, ici c'est une tombe en fait, j'avais pas vu, mais il y a une petite croix là. Bon, normalement ils sont pas partis hyper loin, mais hop. On va faire les petits évents qui traînent, ça fait de l'XP et surtout ça fait du loot. Alors, il y a d'autres personnes dans le coin et ne sont pas hyper contents, effectivement. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont même carrément énervés. Et on peut leur mettre le feu aux fesses et ça c'est cool. Pendant ce temps-là, on se fait de la bouffe. Et ça, j'aime beaucoup cette idée. Ah, on a eu des orbes et des outils avancés. Alors, on commence à être un peu plein d'ailleurs. Hein. Va falloir qu'on fasse quelque chose. Hein. Donc, ça restaure du mana. On a une potion de soin. Nature de protection. Parchemin de protection de la nature. Donc, ça donne un bouclier à tous les alliés autour. C'est lié à la magie, au niveau de magie du mec qui lance, autant dire que ça va pas être hyper efficace pour nous, mais ça peut toujours être utile. Ok, ici c'est un cul-de-sac, il y a quand même un pont dans le coin, même si on le voit pas étrangement. C'est un guet. Non, il y a un pont là j'imagine, mais pour l'instant il n'existe pas. Il y a peut-être un event ou un truc à construire avec la ville à côté. D'abord, il faut qu'on retrouve ces foutus. Oula, putain, ils sont un peu énervés. Là. On va se détendre. C'est quoi ce truc? On peut faire des choses ici? Je vois qu'il y a une main qui apparaît, mais. J'arrive pas à la choper ici, c'est par là. Ok, il y a une statue. La statue d'un héros légendaire. Ouais, on va essayer de se le faire. Le héros, la dernière fois, c'était plutôt bien passé. Alors, s'il nous stun, effectivement, ça va être un petit peu moins drôle. Bon, il défonce nos loups, mais ça fait quand même une diversion intéressante. Tiens, on a réussi. Parfait. Et on loot. De l'XP et un travelling, je n'ai pas vu quoi. Une harpe de voyage. Très très bien. Autant dire que c'est pas trop notre délire. Ça par contre, on va l'utiliser sur nos barres. Et du coup, normalement, il doit avoir monté de niveau. Et on peut les promote. Et on va les promote. Ah, on n'a pas assez de bois. Putain, 135 de bois il faut pour les promote. Ça pique.
On a 34. Dommage. Ça, c'est bien, bien dommage. On va faire une petite sauvegarde parce qu'il y a du lourd qui traîne autour là. Alors, j'espère que les villageois sont pas barrés à l'autre bout du monde. Ah non, ils sont juste là. Parfait. Alors, eux, ils veulent qu'on leur file de la thune. Non, non, on va les calmer par la force s'il faut. Voilà. Dommage, c'est des paysans, j'aimerais bien des paysans. Vous voulez pas me rejoindre plutôt? Ils ont construit un grenier ici. Commence à être. Les villes commencent à s'enrichir un peu, c'est cool. Alors, toi, peux te recruter. Est-ce que tu peux faire. Je peux faire une quête. Naguka, non. Non, ça ne m'intéresse pas pour le coup. Est-ce que tu as une autre quête? Des bandits à gérer. Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, on va retourner du côté de Redstone Keep. Alors, on peut se faire ces bandits, on va se les fermer, on va les défoncer vite fait. Voilà, on les traverse et ils sont déjà tous morts. Ça c'est fait. Comme ça on prend le loot. Ça mange pas de pain. Et on va retourner du coup à Redstone Keep. On va essayer de faire la quête principale. Ah, on avait aussi. Il fallait qu'on retrouve le marchand qui nous avait un peu arnaqué avec sa. Putain, ils sont sur le chemin, eux, ils vont nous voir. Ça va. Qui nous avait arnaqué avec son cristal à la con là. Qui marchait absolument pas sur la dryade, n'est-ce pas? Hop là. Si on pouvait aussi trouver un bazar. Alors, on avait cette quête ici, il y a une quête aussi ici. Ah, putain, il y a plein de quêtes. Oui, ça, c'est les quêtes principales. On va faire ces deux-là. Et le bazar était ici. On va passer à Redstone Keep et on va tracer au bazar si on peut le choper avant qu'il ferme. Ce serait vraiment très très sympathique. Alors, le marchand n'est plus là, sans trop de surprise. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a une quête. Pourquoi on a une quête? Redstone Keep Chief. Ils ont besoin de deux vestes en cuir, mais pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Le marchand. Ah, là, on peut vendre des trucs par contre. Ah, ça, c'est cool. On doit déjà avoir comment ça s'appelle? Un trading machin là, où j'en ai peut-être acheté un, je me souviens plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une grande hache pas verte, ça en vend, ça en vend, ça en vend, la wooden cuirasse en vend. Alors, ce qui est cool, c'est que les objets ont le même prix, même s'ils sont cassés. Donc, on va pas se gêner, on va vendre. Burning Battle Arrow. C'est niveau 8, on va le garder. Ça, c'est niveau 1, on vend. Puff, puff, puff. Bon, ça on va vendre aussi. Une bombe à poison, tiens. C'est cool. Ça c'est niveau 8, on va le garder. Le truc blanc, on vend. Le truc de mana, on va vendre parce que ça nous sert vraiment à rien. Pareil, le mana water, on vend. La lance, niveau 1, on vend. Profite qu'il y ait du monde, qu'on ait la possibilité de vendre. Les trucs de mana, on vend. Ok, c'est pas mal. On pourrait acheter un chameau. Pourquoi pas, mais bon, pour l'instant, on se déplace quand même assez vite. Est-ce qu'il a du bois? Il a du bois, il en a 20. Allez, on prend. Voilà, 166, c'est toujours ça de prix. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau, toi?
qu'est-ce que tu penses de moi? Tu me connais pas, on est d'accord. Est-ce que t'as une quête? Il y a des gens qui ont déserté Limestone Village. C'est où ça, Limestone Village? Je sens que c'est un truc à l'autre bout du monde. Golden Bazaar, Crying Rock. Je ne le vois pas. Ce qui est embêtant, bien sûr. Dunstorm, d'ailleurs, Strict Camel Bazaar. Misty Village, Frost Valley. Ah, Limestone Village, putain, c'est tout là. Wow. Ok, bah on ira éventuellement faire un tour. Alors, par contre, il me dit qu'il y a une quête ici que je dois rendre, mais à qui? Toi? Ah non, ça c'était le barbier. Enfin, la barbière, si on peut dire. Non. Toi, mais tu veux pas me parler parce que je suis pas le sultan. Lui? Take your business. Bon, ok, il nous papote sur le fait que c'est un mercenaire, mais on a pas besoin de recruter de l'aide. Ok, j'ai parlé à tout le monde, je crois, là. Bah, ouais, un truc m'échappe. Je vois personne à qui je pourrais parler. Qui a une point d'exclamation sur la tronche, donc on va aller faire la mine abandonnée. C'est pareil, les villes commencent à être bien construites. Et on est un petit peu trop détesté pour l'instant. Alors ici c'est Party of Cat, il y a 10 trucs, d'accord. Donc du coup on est, bon après c'est du level 3, on devrait pouvoir gérer même si on est tout seul. C'est parti. Alors, on peut recouvrir de la vie, on prend. On rencontre des bandits. Ils ont même pas réussi à me toucher une fois. On sent bien le level 3 par rapport aux dryades, hein. Alors, on a une White Rose potion, ça c'est cool. On a eu un combat harness vert, ça c'est cool. Alors, on peut augmenter l'attaque de notre truc en échange de vie, donc non, pas besoin. On ouvre le coffre, on récupère un peu de jade. On ouvre le coffre, on récupère un peu de jade. Ah, par contre on tombe sur un gaz empoisonné qui nous fait perdre de la vie finalement. Bon bah, comme ça c'est fait, du coup on va récupérer de la vie à l'étage d'après. On prend le coffre, on récupère un tout petit peu de thunes. Encore un gaz toxique en échange de défense cette fois, mais on n'a pas besoin. Et on est arrivé au bout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un énorme monstre plus loin. Il porte les vêtements en pièces de d'une des personnes du désert. Donc on est plutôt surpris, mais avant qu'on puisse s'y intéresser de plus près, le monstre disparaît dans le dans la cave noire. Il n'a pas l'air d'avoir des intentions belliqueuses. Très bien, ici on a un wizard quand même qui m'a l'air plutôt douteux. Donc on voit
On voit la lumière qui s'allume et du coup on voit la face sauvage d'un sorcier face à nous. Qui a l'air d'être plus ou moins un ifrit quand même. Hein. Ah, il me fait fuir ce con. Putain. Tiens, mange. Bon, c'était une quête level 3, hein, ça s'est senti. On a une prismatique robe. Cool. Et on a trouvé des fragments de cartes. D'accord. S'il y a un petit coffre qui s'est rempli. On va aller rendre notre quête, puisque je crois que c'était ici pour le coup qu'il y avait un mec qui nous avait donné cette quête là, non? Qui c'est qui nous avait donné cette quête? C'est pas du tout ça. C'est quest. Non, c'est complet, mais on sait pas qui c'est qui nous l'avait donné. On verra plus loin. Ah oui, il fallait qu'on aille au Redstone Keep West Outpost, c'est vrai. Bah, c'est juste là, putain. Je suis passé à côté comme un con. Ah, c'est lui le garde là qui nous avait demandé ça. Parfait. Qu'est-ce que vous dites? Le garde a l'air apeuré que. Enfin, si surpris qu'il tombe presque par terre. Il réajuste son casque et il s'éclaircit la gorge. Très bien, vous avez complété cette quête d'une excellente manière. Suivez-moi et vous serez récompensé par mon commandant. Alors, on suit le garde et on rencontre le capitaine de la garde. Donc, il ordonne à ses hommes de sortir. Comme ça, il n'y a plus que nous deux dans la pièce. Très bien. Alors, mon subordonné m'a dit que le monstre s'était enfui. Si vous pouvez le battre, vous serez généreusement récompensé. Et en plus, vous serez payé en plus pour votre silence. Le capitaine explique que le monstre est probablement ce qui reste de Jarige, un mineur qui a disparu 15 ans plus tôt. Et 15 ans plus tôt, les mineurs ont découvert le nid d'un monstre. Et la plupart ont réussi à s'enfuir, mais Jarige, qui avait une mauvaise jambe, n'a pas eu cette chance. Ok, bon, Wester, on n'est pas chiant. Hein. Le capitaine de la garde met croise ses bras derrière, enfin ses mains derrière son dos et vous regarde. Vous avez l'air intelligent. Dans le monde d'aujourd'hui, s'il y a des inquiétudes entre les gens, notre destruction sera seulement accélérée. Il nous remercie pour notre silence et il nous donne une large somme de journée de dutard en remerciement et en continu de journée. Pardon, mon esprit saute un peu trop de conclusion en conclusion. Alors, on a toujours pas assez de bois, mais on va quand même. Ah, on a gagné un talent ici, on va pouvoir diminuer encore un coup. Le coup d'upgrade, et ici il faut qu'on donne la lettre de machine. J'ai une lettre. Ah, et on est passé à 24 avec Janub. C'est cool. Ici. Ah merde, le bazar est terminé, mais bon, c'est pas grave, on a réussi à vendre. Est-ce que on a. Oui, on a des White Rose Potions. Eux, ils sont plus que 1. On va les remonter à 2. Eux, on a toujours pas ce qu'il faut. C'était quoi ça? Ah oui, c'était un marchand. Il a quoi? Un loup arctique. Un loup arctique. Non, c'est bon, pas besoin d'un loup arctique. On a déjà suffisamment de loups comme ça. Alors. Quest. Donc on a la lava Eloid à voir pour nos deux quêtes là. D'ailleurs, il faudrait qu'on refasse cette petite quête là. Ah bah, il y a un endroit qui nous dit où c'est quoi. Très bien. Ça, ça a été rajouté, ça je pense. Ça n'existait pas avant quand j'avais galéré à faire toute la map. Ah, il y a un bouton track maintenant. Voilà qui est intéressant, ça commence à ressembler à quelque chose. Et on devait aussi parler à lui. Conxiglière là. Ok, bandit. Est-ce que j'ai une quête? J'ai pas de quête complétée, alors je vois pas trop ce que c'est que vraiment cette
ce truc qui est là, là. Nous, on va essayer d'aller faire le Lava Void. C'est parti. Alors, on va se faire en speed E. Parce que comme ça, ça nous fera un petit chouï d'XP cadeau. Voilà, on a vraiment un petit peu d'XP. Ah, une way trop de potions, ça par contre c'est cool. C'est parti. On va finir de remonter eux à fond. Et on est parti. Là, il y a des herbes brotherhood qui sont un peu énervées. Alors est-ce qu'on peut passer par là? Comment on y va ce truc? Pas par ici visiblement. Faisons le tour, on peut monter là peut-être? Non. Il y a un truc là. Régiment level 1. Ok, faisons ça vite fait. C'est du level 1, il y a peut-être moyen d'avoir un petit peu de bois. Non, un peu de farine. Et des fruits de cactus. On va sauvegarder au cas où lui nous voit. Il nous a vu, il nous poursuit. Courez! On pourrait probablement les gérer, hein, mais il y a déjà suffisamment de mal comme ça. Alors peut-être que ça nous dit juste qu'il y a une quête et qu'on a dit non et que du coup il y a une quête qui nous attend, hein, tout simplement. Alors ici c'est quoi? Un wolf pack juste à côté d'un jet de loot. Allez, un petit workshop. On trouve du fer. Bah, c'est pas mal. Ah non, c'est vrai, on peut pas passer ici. Qu'est-ce qui nous permet de recruter ici? Non merde, c'est pas lui. Alors lui, il veut qu'on fasse une rançon. Non, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. C'est toi que je veux parler. Des fermiers nazis. Alors non, ça ne m'intéresse pas non plus. Pas besoin. Hop. On va plutôt essayer. D'avancer par là. Alors, stop, un groupe de soldats nous empêche de passer. Des choses bizarres se passent ici. Aucun ne doit entrer par l'ordre de Lord Usnu. Entrer sera difficile. D'accord. Alors Lord Usnu, c'est pas le mec à qui on doit... Non, pas vraiment. Ok, là c'est pour parler. Alors on pourrait charger, mais c'est peut-être un peu brutal, non? Tiens-toi là. Non, c'est pas le trader qu'on cherche. Elle nous vend des parchemins magiques. Bon, bah du coup on va essayer de trouver le consigliere si on peut, qui était plus ou moins par là. Parce que c'est plus ou moins un cul-de-sac, du coup il est absolument pas plus ou moins par là. Qu'est-ce que c'est que ça? On ouvre le coffre. Bravo, vous êtes un vrai guerrier. Vous avez avancé d'une étape. Alors, vous ne pouvez pas vraiment être sûr que c'était une bonne idée. Tout ce que vous savez, c'est que derrière vous, il y a une créature terrible. Ça cible vous. Ok, très bien. Ah oui, effectivement. Ok, on va... Ça va, on est quand même capable de faire du DPS. Oula. Il faudrait probablement que je... J'apprenne à utiliser le... Merde, j'ai été tué, putain. J'ai pas vu d'un seul coup, il m'a défoncé là. Alors, vous êtes battu par la créature, et ensuite elle s'en va. On voit des trésors dans les griffes de sa créature, peut-être que cet objet valait plus que les objets dans le coffre. On ouvre quand même le coffre.
D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai absolument pas. Je peux recharger? Ouais, je peux recharger pour voir. J'ai pas regardé en fait, j'avais looté du. Une meilleure armure que j'ai pas regardé. J'ai pas absolument regardé. Donc là, du coup, on a une. Robe prismatique qui nous donne plus 800 de vie. Ah oui, quand même. Et ça, 480. Et on se déplace beaucoup plus vite. Ah bah oui, on va complètement prendre ça. Et du coup, on va retenter. J'ai envie de dire. Faut que j'arrive à en fait à. Pourquoi je refais hein? Parce que faut que j'arrive à m'entraîner à appuyer sur les raccourcis pour utiliser des trucs qui ne sont utiles qu'une fois. C'est level 15, donc c'est un tout petit peu plus haut que notre niveau. On dirait que Space marche pas, c'est un peu chiant. Oh la vache! J'ai lancé ma potion de soin, mais pas assez vite. Elle m'a défoncé cette fois. Non, on va s'entraîner un petit peu. Alors par contre, pourquoi ma sauvegarde rapide ne fonctionne pas? Ah, parce que c'est considéré comme un auto-save? 15h32, bah non. 15h40. Parce que j'ai pas sauvegardé juste devant, peut-être. Je connais pas encore très très bien le jeu, hein, et comme je vous le disais, on est vraiment lancé dedans en mode totalement à l'arrache. Alors déjà maintenant, il y a une vague estimation de la force des ennemis, donc ça c'est cool. On sait que c'est du level 15, mais ça reste quand même un peu énervé, quoi. Hop, hop, hop. Nova de poison, on esquive la Nova de poison, on va dans son dos, on reva dans son dos. On lui met un truc comme ça dans la tronche. Il nous faut notre soin. Ah putain, il nous défonce hein. Ah, j'avais un Restoring Orb. Bon, visiblement, on n'a pas encore le niveau pour ça, c'est pas grave. On reviendra plus tard. Après tout, c'était pas notre objectif premier. Ce que je voulais, c'était aller parler au mec, mais visiblement, on n'est pas sur le bon chemin. On va reprendre la quête. On va prendre ça, on va dire location. Ok, d'accord, faut que je fasse tout le tour. Voilà, track. Je me dis que si j'arrive à avoir suffisamment de prestige dans la zone, ils me laisseront passer en fait. Sinon, on les combattra, mais bon, ça me paraît quand même pas forcément l'idée du siècle, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on va s'arrêter. Au niveau du petit avant-poste, et on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.